Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Batman The Enemy Within pour le 9ème épisode du Let's Play. On va du coup terminer l'épisode 2, c'est sûr de sûr de sûr, il nous reste un chapitre de toute façon, le chapitre ultime. Donc hâte de voir comment ça va se passer, on est vraiment infiltré derrière les lignes ennemies, là il n'y a plus de doute. Et ça va être un peu chaud là, je pense qu'il va se passer, on va voir de toute façon, mais voilà, hâte de découvrir ça, donc allons-y. Les hauteurs de la ville, 23h40. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire là, tu vois? Ça la question ultime quoi. Wayne, we are close. Make your device ready. Will do. Allez, l'EMP, on va déactiver du coup. Ready to go. Et genre ça, il y a que nous qui sommes capables d'appuyer sur le bouton là. Je sais pas, c'est bizarre. Cibler. Waller, on the move with targets. Track this signal. Get your people here now. We've got your signal locked. Cavalry is on the way. Now we do this. Je sais pas ce qu'on va faire là, mais ouais. Wait, what in the... I gotta say, Bruce, now that we're actually here and it's really happening, I'm feeling some butterflies in my stomach. We have an obstruction ahead, both lanes. Armored vehicles. Service weapons at the ready. Do not engage. Now, Wayne, do it! On était obligé d'appuyer là, de toute façon, non? Si. What was that? HQ, do you copy? My gun, ah, les armes du coup! Oh putain! Move. Bah oui, les armes fonctionnent plus du coup! Oh, c'est foireux! Carry the torch, Mr. Suit. Stay sharp! Secure the vehicle! Je m'attendais vraiment pas qu'on fasse ça dans le jeu, hein, honnêtement. Hein. Qu'on aille avec les ennemis, c'était tellement pas prévisible. Mais ça correspond bien au nom du jeu, donc je comprends maintenant la signification. The Enemy Within, oui, je comprends maintenant. Restez en position. Your place is on the perimeter. Yeah. Freeze! Open the door. Everyone, stay sharp and keep order. On a encore la toxine, on n'oublie pas, enfin la toxine, l'antidote qu'on a placé. Ça peut être intéressant ça. Enfin, j'espère que c'était bien de le placer sur Bane. Go on, quickly. You're wondering what's in there. Find out for yourself. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Don't. Break it off! We don't have time for this. We're not done here, Wayne. De toute façon, t'es déjà contre moi. I'll turn my back on him. I'll leave this clean up to you, but hurry. Man, seize the cargo. Get out of here! Qu'est-ce que c'est que ça? Where are you? Par hasard, elle est pas là. Waller here. Let them have it, Wayne. Ah. What are you talking about? The package. Let them have it. It's not worth my agents' lives. Pour si peu, c'est quoi? You can't be serious. You were supposed to be here. No! That was my ride! Break out the artillery and disable their vehicles! Oh, c'est le chaos. But I will blow your heads off if you make me eat concrete. Lights out. Put out that fire.
ambigu comme situation. Tellement ambigu. Tirer l'attention de Bane. Wow. Eh, le lutteur, on va se calmer, hein. Be careful not to get in my way. Secure the cargo. Bon, je sais pas vraiment quelle était l'importance de ce choix, mais bon. Oh! Harley! Need to leave now! Fine. Forget you. You have gotta be. Par contre, si l'épisode se termine là, bah ça fera un micro-épisode, hein. Ah non, on peut pas se permettre d'attaquer direct l'épisode 3 après. Quoique, on pourrait en vrai, on pourrait. Alors, il en est quoi là? C'est fini? Non. Enfin, si, sûrement en fait, mais bon. Par contre, Harley, je sais pas ce qui va lui arriver, elle est pas morte, c'est pas possible, mais... Well tonight, Wade. Better than that yammering harpy. Oula. How could we leave her? Lui, ça va le transformer, hein. C'est peut-être ça l'élément déclencheur. Impossible. She's dead or in jail. So we break her out. And if she's dead? Better hope she's not. We have to help her. She'll be expecting us. She needs us. On va la récupérer, John. I promise. Great. Let's go. We have to go now. Right now. We don't have time to waste on her. But that's enough. Save your breath. We have the cargo. Let's get this over with. On a toujours l'antidote là qui... Qu'est-ce que c'est que ça? You'll regret this, Bane. Forget him. We have a job to do. This key is yours, no? Et là, imagine, t'as Catwoman là-dedans. Non, mais c'est pas possible. Open the box. C'est... En vrai, il pourrait y avoir quelqu'un, non? Vu la taille du truc. Ah, je sens qu'il y a un truc, là, une surprise là-dedans. Capsule, ouais. En vrai, il pourrait même y avoir Catwoman, mais pourquoi? Ce serait bizarre. Il faut y avoir quelqu'un. Ah non, ok, c'est lui. Bah, il y avait bien quelqu'un du coup. Hein. Et qu'est-ce qu'il fout là? It is sad to see a legend so, but there is no other way. At least now, we finally have everything we need. Riddler will open the path to us once the thief brings the last piece. I'll open any path. Ah bah voilà. For the right price. Elle est donc là. Et là, ça va être vachement intéressant du coup. Oh, là ça va être vachement intéressant. Bon bah, on va sûrement un peu continuer quand même l'épisode 3. On va peut-être amorcer l'épisode 3 quand même. Waouh, bon. Alors du coup... En quoi ça va résulter tout ça? Vous et 39,8% des joueurs avaient laissé John se sentir triste. Il était ravi que vous avez joué de ne plus jamais mentir. Il était intrigué par la façon sournoise dont vous vous êtes occupé de Willy. Mais comme vous avez laissé tomber Harley, il a le cœur brisé. Ah, donc c'était ça le choix, soit on laissait Harley, soit... Ouais, mais comment tu pouvais comprendre ce choix de cette manière-là? Mais c'est impossible de comprendre le choix de cette manière, sinon j'aurais plus abandonné Bane, ça c'est sûr, mais... What the fuck, comment t'étais censé savoir ça? C'est impossible. Elle est déboussolée. C'est tout. 18,3%, parce que là du coup on était à combien?
Ouais, c'est pas énorme, 39,8, mais là, 18,3%, c'est pas énorme. Hein. Elle a été surprise que vous lui avez dit que Lucius surveillait avec Batman. Travaillait plutôt avec Batman. Elle était indignée quand vous avez suggéré qu'elle ne devait pas prendre soin d'elle-même. Vous l'avez peut-être aidé à s'échapper, mais elle n'a pas confiance en vos motivations. Ouais, pour ça, je sais pas si c'est trop positif, on verra. Harley, elle est en colère, ok. Elle était en colère que vous lui ayez demandé de s'excuser auprès de Regina. Elle a été agacée de ne pas avoir réussi à vous manipuler dans le labo, mais que vous avez combattu avec Bane plutôt qu'avec elle, elle se sent offensée. Oula. Ouais, donc si elle revient, elle va nous castagne. Mais ça, j'avais pas compris le dernier choix comme ça. Elle aussi, elle est des... Ah oui, mais là, ok. What? 99,8% se déboussolé, mais du coup, c'est quoi l'autre option là? Parce qu'il y a que 0,02 des joueurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a été frustrée quand vous lui avez demandé de considérer Gordon, elle a été satisfaite que vous l'ayez appelé et plutôt que Gordon pour vous aider. Comme vous avez accepté de travailler avec elle pendant qu'elle était sous couverture, votre relation avec Wyler est positive, ok. Bon. Mais inquiet. Oh bah, là aussi c'est 81,1% des joueurs, quoi. Donc inquiet, il a été blessé que vous appeliez Wyler plutôt que lui pour vous aider. Comme vous lui avez dit la vérité, il est inquiet que Wyler puisse révéler votre identité. Bref, compréhensible. Content. What? What? Vous et 0% des joueurs avez laissé Alfred se sentir content? Je suis seul au monde à avoir fait ça. What the... C'est quoi ça? Non, c'est-à-dire qu'il y a moins de 1%, je pense. What the fuck? Il a approuvé votre décision d'être honnête avec Tiffany. Il était fier que vous lui avez dit qu'il faisait toujours ce qu'il fallait faire. Conversation dans le petit salon lui a redonné un but. Oh! Ça c'est super bien, du coup. 0%, mais c'est insane. What the fuck? Bon, on a les choix. Et vous réussissez à obtenir la clé de phalanx de la part de Tiffany. Vous et 49,9% des joueurs n'avez pas convaincu Tiffany. Ouais, bon, ça, je sais pas, ouais, c'est très disputé, vous voyez, donc je sais pas quoi dire de ça, en fait. Hein. Avez-vous appelé Gordon ou Wyler à l'arsenal? Vous et 28,4% des joueurs ont appelé Wyler. Ah oui, c'est tout. Alors, quand on part du principe que si les 71% des joueurs, c'est ceux qui ont déjà fait le jeu, qui savent quels sont les meilleurs choix, c'est peut-être pas positif, hein. Mais bon, on verra. Mais à ce point-là, avez-vous laissé filer Willy ou avez-vous utilisé la violence? Vous et 44%. Ouais, donc ça c'est bon. Pourcent des joueurs avaient essayé de calmer Willy avec une boisson quand il a pointé un couteau sur vous, donc ça c'est bien. 16% des joueurs ont essayé de résoudre les choses calmement avec Willy quand il a pointé. Ça aussi c'était bien du coup, mais je savais pas trop comment le faire. Donc là, environ 16% également des joueurs ont descendu Willy. Ah oui, quand il a pointé un couteau sur eux, ça c'était de la merde par contre. Hein. Et 24% des joueurs se sont occupés de Willy de façon violente quand il a pointé. Ça aussi c'était de la merde, donc ça c'est un bon choix. Alors, qui avez-vous suivi dans... Mais ça, c'est incompréhensible. Comment tu pouvais savoir ça? Donc, on est quand même dans la majorité. Vous et 57,8% des joueurs ont essayé de minimiser les dégâts collatéraux pendant la descente sur le convoi et suivant Bane, traînant sans excès de violence à chaque opportunité. Ouais. Et ça faisait quoi si on allait avec Harley? C'est la question. Et du coup, avez-vous fait un serment avec John? Ah oui, voilà, carrément 95% des joueurs l'ont fait, le serment. Ok. Bon. Plutôt intéressant du coup ces choix, même très intéressant. On va continuer du coup, ouais. On va, j'ai jamais fait ça pour un jeu Telltale, de finir un épisode puis de commencer l'autre, mais bon là, de manière exceptionnelle, on va le faire, parce qu'on n'est que à même pas 14 minutes de vidéo d'ailleurs. Hein. Donc voilà, comme ça on va pouvoir voir la suite avec Catwoman, comment ça va se passer. Et là ça va être le mystère. Ah si, je l'avais déjà fait je crois, si pour un épisode de The Walking Dead de la saison 3, je crois que j'avais fait ça en fait. Non, de la saison 2 même, c'était pas la saison 3, c'était la saison 2. Donc, reprenons. Reprenons directement pour une fois. Donc, épisode 3, masque brisé. Donc là, ça va être axé sur Catwoman, je pense, du coup. Hein. Alors que la pression pour découvrir l'attaque imminente sur Gotham ne cesse de s'intensifier, parce que oui, du coup, on le sait toujours pas, Bruce doit jongler avec sa double identité et ses relations avec ses nouveaux alliés. Alors là, ça va être foutrement intéressant, putain. D'ailleurs, je remarque, j'avais pas remarqué avant, mais une fois qu'on a fini l'épisode 2, maintenant, il y a plus les ombres, c'est stylé. Voilà, petite note comme ça. Hein. Bon, allons-y. Ah ouais, mais là, du coup, avec Catwoman, comment ça va se passer comme relation? Elle sait qui on est, on sait qui elle est. Hmm. On va se cacher mutuellement, je pense, les identités. Masque brisé, quand même, hein. C'est le nom du truc, donc bon... On va découvrir notre identité, hein. Peut-être auprès de Tiffany déjà, mais ça, ce serait bien.
Par contre, je suis choqué pour le choix là avec. Enfin, le choix. La relation avec. Avec. Oh putain! Alfred, ouais, avec Alfred, 0% quoi. Genre, y a personne qui est comme ça, alors que c'est le choix parfait là. Il est en confiance. Enfin, normalement, c'est bien qu'il soit en confiance, hein, je suppose. Hold 5 points, donc ça reprend direct, hein. But when faced with a new breed of criminals calling themselves the Pact, ah, il s'appelle le Pact. The direct approach was met with disaster. I had to don a different mask. As Bruce Wayne, I infiltrated their ranks. The plan was to get in, set the trap, and get out. But the plan failed. Now maintenant, on est impliqué. Step closer to their goal, and all I have are questions. What is the Pact really after? Why steal Riddler's body? Friend or foe? Nice place you got here. Did it come with the vermin? Or did you add that yourselves? This everyone? Riddler mentioned Harley. Miss Quinn is otherwise occupied. Our crossing the river stinks. We are the entirety of our cabal at the moment. Oh. This gentleman was someone we picked up after Riddler's departure. Bruce Wayne. Bruce, was it? Charmed. Be gentle. This is Mr. Wayne's first foray into Enchanté. The field of felonry. Enchanté. Oh, I didn't Enchanté. Know this party was so formal. Enough pleasantries. You have the device. Excellent. Harley said your gems were in her safe. If she fails to return, you can pester John. He knows the code. It's fine. We can start. C'est la chef. Moi, je comprends plus, hein. Well, let's get to... What are we doing? Well, we're going to extricate the body. Riddler built a secret back door into the security system of his old employer. I need to scan his eyes and then create a retinal key for them. Then I'll use the key to make goggles, and we can open whatever doors he could. Help me lift. Ouais, bon, c'est très ambigu encore une fois comme situation, hein. This wasn't the original plan. He was supposed to be alive, but things change. Get his head in a good position. That's far enough. Dig the plates under his lids, press the button, and scan away. Okay. Ugh, that's gross. What the hell did they do to him? And what's with the refrigerator coffin? Why would the agency transport him like this? This doesn't add up, Bruce. Bruce, I'm sorry about Lucius. I'm guessing it wasn't a gas leak or whatever the news said. Le mystère l'a tué. Riddler killed him. But it was meant for me. Damn it, Bruce, I'm... This isn't all on you. On to the next. Elle est impliquée malgré elle ou quoi? I didn't know what I'd be walking into with this group, but I certainly didn't expect it to involve you. And I know you're no stranger to peril, but you shouldn't be here. So, what gives? Je cherche à les arrêter. You say I'm part of the team. Also, the sky is blue. Now you say another obvious thing. This is the game we're playing, right? Whatever your plan was, must have gone horribly awry for you to end up here like this. You're not the only one with questions. One question. Make it fast. Pourquoi How did you get involved with these psychopaths? Ran into Harley once or twice, but I knew Riddler. He tried to bring me in before... Well, before someone here probably killed him.
have we concluded? Two eyes in the can. Excellent work. Then we can... She's back! Oula, la 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 la, ça va pas le faire. Elle va nous défoncer. I'm late. Traffic was murder. I couldn't stand it. You were there, and I was here. I was on my way. Well, I was getting to get on my way. Look, I put on shoes. Oh, thanks, Puddin'. You would have had a blast if you were with me. And how about this one? Did you miss me, Sugar? Tu as beaucoup manqué à John. Beside himself. Was? I'd say still is. So I got one question for you. If you missed me so much, why the hell did you let them leave me behind? Since Big Bad Bane's plan almost got one of our most valuable members killed today, we're having a change in management. What the hell? So speak up if there are any objections. We can hash this out in a reasonable manner. Hurry! Oh, this one's actually got some brains! Everyone else better be smart, too! You! You are a means to an end. When this is over, did it occur to any one of you people that the job we just pulled went sideways a little too quick? I think they knew we were coming, because a little rat told them. They was right to beat up his guy before we left to hit the convoy. He just beat up the wrong one. Since he couldn't deliver, I'm taking over the case. And I'm not gonna let whoever it is stop me from getting what I want. This leak, it almost got me killed. So now, no one moves, no one breathes without my say-so. Cause I'm gonna get to the bottom of this. And whoever it is gonna find their inside suddenly al fresco. That make you nervous, Bruce? What do you have to say? Je ne suis jamais nerveux. Stop, Wade. Excuse me, Peanut Gallery. You got something to say? Wayne pulled his own out there. Saw it with my own two eyes. I ain't gonna let a good effort go unnoticed. Then let's get back to work. If anyone else has any issues with the New World Order? Ce serait pas un infiltré lui aussi. Lead us to our prize and all will be forgiven. Wayne. C'est un infiltré. Déjà il est différent que les autres en termes de skin, donc ça peut paraître un peu bizarre. Hein. What the fuck? Qui t'es toi? Merci de m'avoir aidé. Vouching back there. Hey, it's tough in the trenches. We gotta look out for one another. Otherwise. Hiya, Bruce. Guess you're clear. For now. Because apparently you're so capable. I got an errand for ya. I know just about everything about Riddler's plan. But he kept one card close to his chest. The location of the job. Took the secret to his grave. Now I got his laptop. But look at this. And keep your yap shut. Can't let any of these mooks sense weakness. It's encrypted! It's like he knew not to trust any of us. Go figure. Fais-moi voir cet ordinateur. Okay, let me see the laptop. I'm pretty tech-savvy, maybe I can crack Bruce, it. Bruce, in case you missed it, we have a mole problem. And until we clear that up, the keys to the kingdom stay with me. Got it? Riddler had a beef with his former employers, who are cooking up some very dangerous and super fun stuff at a black site lab somewhere here in Gotham. And what is it we're after?
this super fun stuff. You ask a lot of questions. You know that? I've been able to piece together most of his plan, except where the Black Site is. You're gonna find the location. And when you do, maybe you'll get a treat. A sweet, delicious little treat. Je n'ai pas répondu à ma question. You're asking me to do something with little or no information to go on. And when I asked you for some kind of clarification, you dodge. Bruce, did you see what just happened? I'm in charge here. That means when I ask you to bring me something, you deliver it. No questions asked. See, I ain't letting this laptop out of my sight until I clear up this mole problem. So, I want you to head over to Riddler's place and do some digging. I might need some help. That place is full of death traps. Take John with you. Just don't get him hurt. That's my job. Road trip? Bruce? I'm in. Actually, I was thinking Catwoman. Ah oui. After all, she knew him. Good points. Take a two. Okay. I'll grab some snacks. Là, ça va être intéressant. What's that guy's story? Cat lady, are you more of a beef jerky or trumpet-shaped corn bites girl? Il fait ce que je lui dis. He won't be any trouble. He does whatever I say. Impressive, and a little disturbing. Who's ready to hit the road? Oh là, oh là 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 là. Who are you gonna tell if you see anything that ain't on the up and up? You, Harley. But don't worry, Bruce is my best friend. He'd never betray me. Oh, sweet, innocent puddin'. Friends have the easiest access to stab you in the back. Now get out of here. I call shotgun. Comment ça va devenir le méchant principal, lui? Parce que ça le deviendra, je pense. Là, c'est mal parti, hein. Faudrait un truc d'un coup, là. Genre Harley qui meurt. Un truc comme ça, tu vois, ça pourrait bien aider. Bon, Batman The Telltale, la série. The Enemy Within. On va pouvoir s'arrêter là, je pense, du coup, suite au chargement. Donc, on pourra voir la suite, voilà, dans le prochain épisode, hein, bien entendu. Mais là, déjà, ça a donné une bonne petite mise en bouche pour les prochaines hostilités. Ça risque d'être foutrement intéressant, surtout que là, on va voir avec Catwoman. Même si elle Joker, on va peut-être pouvoir un peu parler, je sais pas. On verra. Bon! Du coup, on va s'arrêter là, voilà, pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et bah, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la récompense. Et du coup, bah, dans quelques jours pour la suite. Bye, tout le monde. Ouh, yeah.